Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 3 questions sûres. La revue fiduciaire est à vos côtés et votre nouveau rendez-vous RF Play continue car comme vous le savez, toutes nos équipes se mobilisent en télétravail pour vous transmettre la bonne information dans le but de soutenir votre activité et vos missions malgré cette période compliquée. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au report de congés payés et c'est Frédérique Roseau, rédactrice en chef adjointe de la RF sociale, qui va répondre aux trois questions sélectionnées. La première question nous a été posée par Adia, responsable des ressources humaines, et elle est d'actualité. Elle nous dit ⁇ Nos plannings de congés payés ont été fortement bouleversés par les mesures que nous avons prises pour faire face au coronavirus. Si certains salariés ont soldé leurs congés payés plus tôt que prévu, d'autres n'ont pas pris les congés qu'ils avaient posés au 31 mai 2020, et ils demandent que ces jours leur soient payés. Ces circonstances exceptionnelles nous autorisent-elles à ne pas reporter ces congés ?⁇ au moment où je réponds, rien ne va dans ce sens, puisque la possibilité de reporter les congés non pris en fin de période existe déjà, comme l'induit d'ailleurs la question de Nadia. C'est même une obligation dans certains cas, comme quand par exemple une salariée n'a pas pris ses congés car elle était en congé de maternité. En fait, une fois que la période de prise des congés est expirée, tous les jours de CP sont censés être pris. C'est-à-dire qu'au 30 avril 2020, qui est la date butoir légale, la question ne devrait pas se poser et tous les compteurs de CP des salariés devraient être à zéro. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui ont une autre date butoir, par exemple le 31 mai ou le 30 juin. Mais dans tous les cas, les jours qui ne sont pas pris à cette date butoir ne peuvent ni être perdus ni être payés sous forme d'indemnité quand bien même les salariés concernés seraient demandeurs. Alors par exception, les juges ont admis que des salariés qui n'avaient pas pu prendre leur jour du fait de l'employeur se voient attribuer une indemnité. Mais alors ça, ça ne semble pas du tout correspondre au cas de figure d'Adia. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en pratique, les jours de congés payés qui ne sont pas soldés à la fin d'une période de prise, eh bien ils vont se reporter sur la période de prise suivante, sauf une autre solution type, euh, compte épargne-temps par exemple. Intéressons-nous maintenant à la question d'Alain responsable administratif. La voici. Certains de nos salariés ont des soldes de 50-60 jours de congés payés non pris à ce jour. Dans le cas où l'employeur a toujours reporté le solde des congés non pris, y compris N-2 et antérieurs, peut-il décider unilatéralement de ne plus reporter dorénavant les congés non pris Il y a de nombreuses entreprises qui sont un peu dépassées par des reports de congés payés qui ont progressivement conduit à des soldes CP très importants, voire un peu ingérables. Mettre fin à ces reports suppose déjà de déterminer sur quelle base les reports de congés sont intervenus. S'il s'agit d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, pour y mettre fin, il faut respecter la procédure standard de dénonciation d'un usage. Il en irait différemment si le report était prévu par un accord collectif, mais ça ne semble pas être l'hypothèse évoquée par Alain. Donc en pratique, le report de congés payés d'une période sur l'autre est souvent limité par une date butoir à laquelle ces congés doivent être pris et c'est à l'employeur de veiller à ce qu'elle soit respectée et à ce que les jours de CP soient effectivement pris par les salariés. Parce que je l'ai dit pour la question précédente, les congés non pris ne peuvent pas passer à la trappe s'ils ne sont pas soldés en fin de période de prise. On a même vu le cas échéant en cas de contentieux, les juges qui exigent de l'employeur que celui-ci justifie qu'il a tout mis en œuvre pour que le salarié prenne bien ses congés payés. On termine avec la question de Sophie, expert comptable, qui nous demande si un salarié d'origine étrangère peut reporter ses congés et si oui, sur combien de temps Il n'est pas prévu en fait qu'un salarié d'origine étrangère reporte ses congés payés pour bénéficier d'une prise de congé plus longue lorsqu'il posera tous les jours qu'il a accumulés. Alors, il peut quand même prendre d'affilée 5 semaines de congés hein, de façon dérogatoire s'il a acquis bien sûr des droits complets sur sa période de référence. Et c'est une dérogation légale qui est liée au fait que ce salarié a des contraintes géographiques particulières. S'il voulait aller au-delà de ces cinq semaines, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais il faudrait par exemple qu'il alimente un compte épargne temps. Alors, ça, ça va être pendant un certain temps quand même pour obtenir des droits suffisants. Notamment, il pourrait alimenter son compte épargne temps avec sa cinquième semaine de congé payé. Mais cette solution n'existe pas dans toutes les entreprises. Le salarié qui aurait un compte épargne temps, qui l'aurait alimenté, pour aller alors prendre un congé sans solde qui serait en fait rémunéré sur la base des droits de son CET. Encore faut-il qu'il y ait un CET, que le CET le prévoit et qu'il fixe les modalités de rémunération de ce congé sans solde. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à notre experte Frédéric Roseau pour toutes ses précisions. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle thématique que je vous invite à guetter dans votre newsletter RF Play.